Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Bon, eh ben on baisse un peu parce que là on a une planche. Attention. Ah oh oui, non, mais c'est encombré hein, chez moi. Hop là, reste là, toi. Voilà. On a une planche, si j'y arrive. J'espère que vous voyez. Non, vous voyez pas. Donc, je vais prendre la spatule. Ça tombe. Pour enlever ceci et vous laisser découvrir. Voilà. Les petites choses. Bon, ben ça, poubelle. Donc. Voilà. Nous avons des porte-boucles d'oreilles. J'en ai 8. Si ça se décolle pas, ça va pas le faire. On évite les coins cornés. On va bien avoir plus de place, mais bon, ça va venir, je ferai demain. Donc on enlève tout ce qu'il faut enlever. Comme ça, c'est fait. Ah, zut. Il n'y aura plus qu'à le coller. Il n'y aura plus qu'à le coller. Mettre un point de colle. Et puis essayer d'enlever. Voilà, celui-là. Alors celui-là, je vais lui mettre un point de colle. Et des fois, c'est dur à enlever. Hein. Voilà. Des fois, c'est facile. Des fois, c'est dur. J'ai pourtant les doigts fins, mais enfin les ongles fins. Ça va. Non, mais toi, tu m'embêtes là. Hop là, la feuille. Reste là. J'ai presque fini. Ah oui, bah pourquoi pas. Pouvoir commencer à les faire. Alors, je suis désolée pour le son, j'ai encore mes oreillettes. Voilà. Bon, après, bon, bah, il reste plus qu'à. Oups, ça aussi, ça veut pas y aller. Il reste plus qu'à gratter pour enlever tout. Voilà. On a un tapis correct. Et puis le reste. Je le ferai demain. Ah oui, parce que oh, je peux pas tout faire. Je vais mettre déjà ce que j'ai. Je vais débrancher la cricket. Oui, il n'y a pas de bouton on off. Donc on est bien obligé de faire ce qu'on peut. Ce qu'on peut, hein? Oui, on peut. Alors, je vais m'occuper de mettre de la colle sur celui-là.
les tapis, ça, ça. Voilà. Mettre un point de colle. Juste un petit peu. Voilà. Il est parti. Voilà. Bon, déjà 8. J'ai beaucoup de chance. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à installer. Je mets en pause. Je vais voir un truc. Voilà. Bon. Alors, on va s'occuper de ces boucles d'oreilles. Je vais m'occuper de celle-là en premier. 2, 4, 5. Il faudrait 2 autres paires, 3 autres paires. Et bon, on va faire un comme ça. Voilà. Ce qui sera déjà ça de fait. Alors, je vais les stocker tout ensemble. On va les coller. C'est bon. Ouais. Non, mais là, ils l'ont mis à l'envers. Se fiche de moi, là. Ils l'ont mis à l'envers. Alors, que peut-on faire? Que peut-on faire? Alors, je vais faire comme ça et je vais faire comme ceci. Allez, hop là, voilà. Donc, celui-là est à l'endroit. Celui-là aussi, mais il est un peu tordu. Et il perd ses plumes. Alors, première paire, hein, faut avoir les bons yeux pour détecter les petits défauts. C'est aussi ça la qualité d'une caissière. C'est de voir les défauts. Qualité de dessinatrice aussi. On les voit beaucoup les défauts en termes de dessin. Donc déjà voilà la première paire. La première paire, je vais y arriver. Donc, je vais les stocker là. Il nous laisse tout le travail. Alors hein, c'est bien, c'est gentil, mais voilà, hein. On aimerait bien ne pas faire tout le boulot. Voilà. Je vais vous baisser sur mes mains après. Vous allez voir que c'est pas facile. Attendez, je récupère les petits
cache. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Hop, je vais vous baisser sur mes mains. Que de travail, que de travail. Alors, je m'attaque au rouge. Il faut mettre le petit cache. D'une. Très jolie paire de boucles d'oreilles. Pourtant, elles sont rouges. J'aime pas le rouge, mais bon. Voilà. Hein, elles sont belles quand même. Faut avouer. Et de deux. On va faire les vertes. Je vais les mettre directement. Je serai tranquille après. Ah, punaise. Ah oui, non, mais il y a des jours. Alors, excusez-moi, vous voyez mes genoux, mais. Il y a des jours. Oh, wow, wow. Il y a des jours difficiles. Ah, bah tiens, heureusement que j'avais les genoux. Hein. Il vaut mieux que qu'il y ait une sûreté. Ça s'enlève tout seul. Voilà, et deux, trois. Bon, j'arrête là, hein. Vous aurez pigé le système. Je vais continuer demain, j'en peux plus. Si, j'en peux plus. Alors, quelques minutes et puis on se dit bah. Ouais. On laisse le boulot à demain. Et 19h21, vous voyez, j'ai pas fini. Si je continue, je vais pousser. Je vais pousser loin et. Bah, je vais pas dormir, donc il faut que je me raisonne. Me dire que, bon, bah, demain est un autre jour. Et il fera jour. Lol. Non, là, j'ai fumé une cigarette et puis je vais me coucher. N'est-ce pas? J'ai bien mérité un temps de repos. Après ce que j'ai subi comme claque. C'est faire du mal gratuitement. Je ne connais pas toutes mes pathologies. Pour elle, j'ai qu'une maladie. Je suis désolée, ce sont des pathologies, pas une pathologie. C'est fatigant, très fatigant. Mais je sais pas me plaindre. Hein. C'est pas au niveau de la plainte. Non, non. C'est plutôt explicatif. C'est usant, ces maladies. Je ne sais pas où en est l'arthrose généralisée, mais je sens au fond de moi que ça a mal évolué. Excusez-moi, je me tire sur les cheveux.
C'est sûr que ça a mal évolué. Il n'y a pas eu de traitement, il n'y a rien eu du tout à part du calcium qui fait rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit soigné? N'y a pas de suivi à ce niveau-là. Ouais, à plat. À plat et j'arrive toujours à sourire. Bah, faut sourire. Je me dis que je vais aller me reposer, que ça va faire du bien. Si j'arrive pas à dormir, j'ai une occupation, hein. Ça fait pas de bruit, hein. Si ma mère me dit qu'on fait pas de marché de Noël, alors là, je crois que je deviens dingue. Après les efforts que j'ai faits, ça serait faire un plof. Un flop. Plof. Le flop. Voilà, j'ai la tête qui tourne. Ah oui, j'ai pas beaucoup fumé, donc forcément là. Allez, 4 et 4, 8. Ah ouais, c'est pas énorme. Ouais. Bon, je vais vous laisser là du coup parce que hop, 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 oui, non, j'ai vraiment besoin de me reposer. Je sens que ça fatigue tout ça. Puis ça me gratouille, il n'y a plus que trois. Bon, je vous laisse là. Je vous dis à plus. Et voilà.